mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus ici au Parc des Princes pour suivre ce choc inédit entre l'équipe de France féminine qui va affronter l'équipe des États-Unis, 4 fois championne du monde. Ça sera un choc inédit devant 47 500 spectateurs au complet pour suivre ce choc inédit. On va écouter les hymnes en commençant par la Marseillaise. Après la Marseillaise, voici l'hymne américaine. Et on a vu la concentration de la part d'Alex Morgan et de Megan Rapinoe avant d'affronter l'équipe de France. La composition de l'équipe de France dont vous voyez devant vous avec la titularisation de Vivian Essay qui a été préférée à Kenza Daly qui est sur le banc des remplaçants. Et vous remarquez que sur le banc des remplaçants on retrouve Perle Morini, c'est une défenseuse parisienne. Alors on va peut-être la voir en deuxième mi-temps, mais en tout cas l'équipe de France qui va se présenter par un dispositif du 4-2-3-1 du style 4-2-4 car Vivian Essay est placée au milieu offensif. Sinon, on retrouve Eugénie Le Sommer, Delphine Cascarino, Amé Majri, Wendy Renard, Karchaoui. La composition de l'équipe américaine avec le duo d'attaque avec Alex Morgan et Megan Rapinoe qui sont deux grandes joueuses dans lesquelles l'équipe de France devra faire très attention. Et donc l'équipe américaine, 4 fois championne du monde, je vous l'ai dit, qui vont se présenter sur un 4-3-3 défensif. Et donc Eugénie Le Sommer qui donne le coup d'envoi de ce choc. C'est parti donc pour le choc France-États-Unis ici au Parc des Princes. Wendy Renard avec Amandine Henry pour Eve Périsset, l'ex-défenseuse parisienne qui joue maintenant aux Girondins de Bordeaux. Et Cascarino qui est hors jeu. Premier hors jeu de la partie dès la deuxième minute. Avec ça joue sur un pied quand même pour Delphine Cascarino. Mais c'est vrai qu'elle est hors jeu. Mais ça joue sur un pied. Aura. Mais oui. O'Hara. Hit. Pour Morgan. C'est bien joué avec Hit. Bien contré par Wadji Renard. Watos avec O'Hara. Qui donne le ballon pour Alex Morgan. Il a du champ. Elle a du champ avec Alex Morgan. Alex Morgan qui décale pour un Florian. Megan Rapinoe, bien contré par Amandine Henry. Cascarino. Passe contrée de Delphine Cascarino. Avec Mewis. Blastcopper pour Mewis. Hertz. Oran. Avec Hit. C'est bien contré. Vivian Essay. L'accélération peut-être pour Vivian Essay qui vite attaque. Est-ce que c'est bien joué avec Vivian Essay qui décale pour Amandine Henry. Amandine Henry pour Espérisset. Le centre d'Espérisset pour Delphine Cascarino. Mais ça a été détourné par une défenseuse. Watson à la contre-attaque avec Megan Rapinoe à la du champ. Avec Megan Rapinoe, l'accélération de Megan Rapinoe. Et Alex Morgan sur son côté. Oh, quel tac. Quel tac de la part d'Embox. Que c'est bien joué. Asseyi. Amel Majri. Le Sommer. Décalage pour Cascarino. Cette fois-ci, elle est hors jeu. David Cascarino. Cascarino. Oh, c'est bien joué avec Le Sommer. Et ça a été contré. O'Hara. Mewis. Hit. Pour un Mewis. O'Hara. Avec Mewis. Delphine Camper. Le Sommer. Contre-attaque avec Greske Euro. Elle est passée Greske Euro. On s'est bien joué pour Asseyi. Asseyi. Pour l'ouverture du score. Sur ce superbe décalage de Greske Euro. C'est Vivian Asseyi qui passe.
de Grace Guerrero qui a vu que la gardienne américaine, elle était bien partie pour ressortir. Elle a vu tout de suite Viviane Assi de marquer et c'est Viviane Assi qui permet aux Français de mener un but à 0. But de Assi. Superbe action. Superbe action pour les Françaises. Et c'est Viviane Assi à la 16e minute qui permet aux Françaises de mener un but à 0 ici au Parc des Princes. Et à noter aussi que les Françaises ont une belle revanche à prendre face aux Américaines. Puisqu'on se rappelle que lors de la Coupe du Monde de 2019 qui s'est déroulée ici même en France, bah les Françaises avaient été éliminées malheureusement par les Américaines en quart de finale. Et c'est vrai que les Françaises n'ont pas trop digéré cette élimination. Elle est passée Jenny Le Sommer. La frappe de Jenny Le Sommer, c'est contré. Del Camper pour Hertz. Avec Oran, Megan Rapinoe, qui trouve Alex Morgan, Espérissé, Wendy Renard, Diana Assi, Delphi Cascarino, l'accélération de Delphi Cascarino, toujours un peu en Cascarino, ça beau centre pour Eugénie Le Sommer, mais ça va revenir tranquillement vers Delphi Cascarino, mais pour une touche. Tout ce qui sera effectué par Espérissé. Amandine Henry. Toujours Amandine Henry. La frappe d'Amandine Henry s'est contrée. Alex Morgan. Oran Atos à la contre-attaque américaine avec Megan Rapinoe. L'accélération de Megan Rapinoe. Atos à la contre-attaque avec Megan Rapinoe. Atos à Megan Rapinoe. Atos à Megan Rapinoe. Oh, ça sera penalty. Ça sera penalty. Penalty pour les Américains pour la faute d'Espérissé. Sur Megan Rapinoe, ça sera penalty. Pour les Américaines, elle a Espérissé qui va prendre la carte jaune. Elle a été prise en contre Espérissé. Elle a été malheureusement obligée de faire faute sur Megan Rapinoe. Et ça sera penalty pour les Américaines. Penalty qui sera tiré par la capitaine. Megan Rapinoe face à Sarah Boadji. Megan Rapinoe. C'est parti! Et à contre-pied, c'est l'égalisation! L'égalisation des Américaines à la 26e minute. Penalty transformé par Megan Rapinoe qui transforme son penalty et qui permet donc aux Américaines de revenir à but partout. Et donc Megan Rapinoe qui a pris à contre-pied Sarah Boadji. Ça fait donc un partout entre les Françaises et les Américaines. Penalty transformé par la capitaine Megan Rapinoe. La Ballon d'Or 2019, Megan Rapinoe, qui égalise donc pour les Américaines. Ça fait donc un partout entre les Françaises et les Américaines. Amel Majri, Assi, Amandine Henry pour Espérissé, Viviane Assi, Eugénie Le Sommer. Oh, c'est bien, j'ai cette roulette de Eugénie Le Sommer. Elle est passée, Eugénie Le Sommer. La frappe de Eugénie Le Sommer qui est contrée. Mais malheureusement, Delphine Cascarino, lors de sa récupération à rebond, elle était largement hors-jeu. Il y avait même deux joueuses hors-jeu. Il y avait même Viviane Assi qui est hors-jeu. Oran. Bien contré par FRC qui donne à Delphi Cascarino. Le crochet de Delphi Cascarino. Cascarino. L'accélération de Cascarino. Elle a poussé un tout petit peu trop fort le ballon. Alors que vous voyez les supporters des États-Unis. Alors qu'on revoit le but de Megan Rapinoe qui a transformé le penalty. Il y a 3000 supporters américains qui ont fait le déplacement ici au Parc des Princes. On est bientôt à la 32e minute et l'équipe de France et l'équipe des États-Unis sont à égalité à but partout. Tête d'Alex Morgan vers Mewis pour Hit. Mbok. Karchaoui. C'est bien joué ça pour Eugénie Le Sommer.
L'accélération de Genelio Sommer. Elle a perdu la balle avec Oran pour Alex Morgan. Décalage pour Megan Rapinoe face à Espérissé. Megan Rapinoe, le centre et la tête de Sakida Karchaoui. Assis. Elle fait une très belle première période de Julien Assis. On sait bien jeter décalage pour Genelio Sommer. Pour Assis, pourquoi pas le doublé? Pourquoi pas le doublé? Oh que c'était bien joué cette combinaison entre Julien Assis et Genelio Sommer. Je vous disais que Assi a fait une très belle première mi-temps pour le moment et l'équipe de France qui va obtenir un corner. On est à la 36e minute. Le premier corner de la rencontre qui sera tiré par Amel Majri ou Kasserino. Non, ça sera Amel Majri. Amel Majri, ça sera vers la défense américaine. Donne O'Hara. Pour Hit avec Mewis O'Hara. Mewis bien contré par Karchaoui pour Vivian Nassi. Pour Genelio Sommer, la roulette de Genelio Sommer. Elle est passée, Genelio Sommer, toujours le Sommer. La roulette, oh, la bande renversée, la bande renversée de Genelio Sommer. Et c'est pas fini avec Karchaoui. Au sabot centre et c'est contré par la défense. Que c'était bien joué cette frappe enroulée de Genelio Sommer, mais malheureusement, elle a trouvé la barre transversale. Hit pour Alex Morgan. La balle piquée envers Oran. Avec Amandine Henry. Au sabot joué. Le Sommer pour la balle de dehors. Le Sommer pour la balle de dehors. Le deuxième but. Le deuxième but. Le deuxième but de l'équipe de France, inscrit par Eugénie. Le Sommer, 2 pour les Bleus. Juste avant la mi-temps, Eugénie, le Sommer permet à l'équipe de France de reprendre l'avantage sur cette superbe décalage de Vizalati qui a trouvé Eugénie le Sommer. Et donc Eugénie le Sommer qui va marquer ce deuxième but pour l'équipe de France. Et les Françaises, juste avant la mi-temps, mènent 2-1. But signé Eugénie Le Sommer. Et donc on va bientôt rentrer dans le temps additionnel. Alors on va voir combien de temps. Et ça sera 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Mais oui. O'Hara. Pour un Mewis. Hit. Hertz. Alex Morgan. C'est bien joué cette transversale pour Mega Rapinoe, mais ça va sortir. Et c'est la mi-temps. C'est donc la mi-temps ici au Parc des Princes. C'est l'équipe de France qui mène 2-1 face aux États-Unis. Vivian Assis et Eugénie Le Sommer ont marqué pour l'équipe de France. Tandis que Mega Rapinoe a marqué pour les États-Unis sur penalty. On va se retrouver juste après, ici au Parc des Princes, pour la deuxième mi-temps entre la France et les États-Unis. A tout de suite. Voilà, on est de retour ici au Parc des Princes pour suivre la deuxième mi-temps entre l'équipe de France féminine et l'équipe américaine. Alors qu'il y a eu un premier changement pour l'équipe de France avec l'entrée de Perle Morini, qui remplace Eve Périsset pour les 45 dernières minutes de cette deuxième mi-temps. Et donc là, on se retrouve avec un nouveau dispositif, avec un 5-4-1 pour l'équipe de France, ce qui fait que Guerreiro est placé en défense. Tandis que les deux milieux centraux sont donc Vivian Assis et Amandine Henry. Et donc Sakina Karchaoui se retrouve sur le flanc droit. Moroni. Le Sommer. Toujours le ballon pour Le Sommer. Toujours Le Sommer. La frappe de Le Sommer qui est contrée. Megan Rapinoe. Avec Oran. Alex Morgan. Avec Mewis. Bien contré par Wendy Renard. Le crochet de Wendy Renard, elle est passée. Wendy Renard toujours. Toujours Wendy Renard. Wendy Renard, elle est passée. Wendy Renard. La barre transversale. C'est pas possible. Encore une barre transversale pour l'équipe de France. Cette fois-ci, c'est Wendy Renard
qui trouve la barre transversale. Amandine Henry. La frappe lointaine d'Amandine Henry. Que c'est bien bloqué de la part de la gardienne américaine. Rapinoe. L'accélération de Megan Rapinoe. La feinte de Megan Rapinoe. L'accélération de Megan Rapinoe. Attention à Morgan qui est débarqué. Que c'est bien contré. Premier corner de la deuxième mi-temps en faveur des américaines. On est à la 57e minute. Et donc Hit qui va s'en charger pour retirer le corner. Et changement pour les États-Unis. Iloyo va rentrer à la place de Wewis. Premier changement pour les Américaines. Un changement de chaque côté. Corner pour les Américaines. C'est bien tiré. C'est repoussé du point par Sarah Boisy. Mais ça va peut-être revenir vers Amandine Henry. Non. Del Kepper, bien contré par Wendy Renard. Mauvais passe de Wendy Renard. Bien contré pour Wendy Renard. Amel Majri. L'accélération d'Amel Majri. Toujours Amel Majri. Amel Majri toujours. Le sommaire. Le roulé d'un sommaire. Oh là là, que c'était bien tenté la frappe. Enroulé de jeu de Le Sommaire. Tu aurais pu trouver la lucarne, mais malheureusement, c'est passé à quelques centimètres de la transversale. Quelle occasion de la part de la joueuse lyonnaise. Quelle occasion. Et deuxième changement pour l'équipe de France, avec l'entrée de Valérie Gauvin à la place de Défic Cascarino, tandis que Krieger est rentré à la place de O'Hara. Deux changements effectués pour ces deux équipes. Alors que vous voyez que Eugénie Le Sommer s'est quand même créé 6 occasions. Tandis que Alex Morgan seulement une seule. Morgan, Megan Rapinoe. Avec Oran. Megan Rapinoe. Avec Don. Megan Rapinoe. Et avec Eloy. Pour Megan Rapinoe. Face à Grigenbock. Megan Rapinoe toujours. Rapinoe qui décale pour Oran. Attention à l'espace. Oh là là, que c'est bien joué. L'égalisation. L'égalisation superbe de la part d'Oran. Superbe égalisation. Superbe que du volet de la part d'Oran qui égalise pour les Américaines. Deux buts partout. Deux buts partout entre les Françaises et les Américaines. Superbe but de la part d'Oran alors qu'on va le revoir. Elle a jonglé, un rebond, un contrôlé, superbe demi-volée de Oran qui va passer sous la barre transversale. Superbe but de la part de la joueuse américaine et Sarah Boisy qui n'a plus rien faire. Deux buts partout entre l'équipe de France et l'équipe des États-Unis. Sur cette 66e minute, deux partout entre la France et les États-Unis. Superbe but de la part d'Oran. Gauvin pour son premier ballon qui décale vers Viviane Asseyi. Moroni. Amel Majri. Toujours Amel Majri. L'accélération d'Amel Majri. Elle a tenté le grand point Amel Majri mais elle a manqué. Krieger. Hit. Delkeeper. Eloyd. Oran. Avec Megan Rapinoe pour Hills. Megan Rapinoe. Avec Hills. C'est bien joué ça avec Megan Rapinoe. La frappe de Rapinoe se repoussée par Wendy Renard. C'est pas fini. Avec Morgan pour Hills. Rapinoe. C'est bien contré par Grigenbock qui perd la balle. Attention avec Rapinoe. Rapinoe! La frappe de Megan Rapinoe qui est passée à quelques centimètres du poteau. Que c'était bien tenté. Ah, c'est plutôt Alex Morgan. C'est Alex Morgan qui a tenté et que c'était bien joué de la part d'Alex Morgan. Mais c'est passé à côté. Gayoro.
Moroni. Asseyi. Une deux avec Moroni. Qui perd la balle. Ça vient vers Oran. Hilt. Eloy. Rapinoe, le contrôle. C'est bien contré par Grigembock. Attention. Wendy Renard. Asseyi. Moroni. Majri. Avec Moroni. L'accélération de Perle Moroni. On s'est bien joué pour peut-être lire la coup de tête. Oh là là. On a ménagé qui a manqué son contrôle. Ça aurait pu faire mal de 3-2. Ça aurait pu être la balle d'un troisième but. Mais malheureusement, elle a manqué son contrôle. Ça sera 6 mètres pour les Américaines. On est à la 77e minute. Et troisième changement pour l'équipe de France avec l'entrée de Katoto à la place de Grigembock. Et Pouche va rentrer à la place de Bégard Rapido. Ça fait trois changements effectués pour ces deux équipes. Alors, on passerait sur du 4-2-4 pour l'équipe de France. Avec une charnière centrale qui sera Wendy Renard et Gueyojo. Et donc, on aura deux milieux centraux, Asseyi et Henri. Et donc, les quatre attaquants, Amem Ajri, Marie-Antoinette Katoto, Valérie Gauvin et Eugénie Sommer. Attention avec Pouche. Allez, passez Pouche! Et cette frappe de Pouche qui est bloquée par Sarah Boadji. Attention à la mauvaise relance. Ça va sortir, ça va sortir. 10 minutes encore. Et donc Sarah Boadji qui place bien sa balle pour son renvoi au 6 mètres. Pour les 10 dernières minutes de cette rencontre. Gueyoro. Avec Perle Moroni. Le crochet de Perle Moroni. Avec Viviane Asseyi. Gauvin. Avec Katoto. Katoto. La contre l'enfer. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible. C'est un gag. Troisième transversal trouvé par l'équipe de France. Et Marie-Antoinette Katoto qui trouve la barre transversale. Ah, c'est incroyable. Trois barres transversales. Trois barres transversales pour l'équipe de France. Eugénie Le Sommer. Marie-Antoinette Katoto. Et puis la troisième, a priori, je crois que c'était Asseyi ou Wendy Renard. Non, c'était Wendy Renard. Et donc Eugénie Le Sommer, Wendy Renard et Marie-Antoinette Katoto trouvaient la barre transversale. Ça aurait pu faire 5-2 pour l'équipe de France, mais trois barres transversales ont été retrouvées. Et attention à ce corner pour l'équipe américaine. On est à la 85e minute. Il sait qui va tirer le corner. C'était bien tiré. Et Moroni à la récupération et elle perd la balle. Attention à nouveau centre. Tête de Wendy Renard. Le sommeur. Katoto. Avec Amem Ajri. A été pris en contact par un Krieger. Qui pique sa balle pour Delcamper. On rentre dans les dernières minutes de cette rencontre avec Alex Morgan. Pour Eloyd. On tous avec cette transversale pour Pouche. Elle est passée Pouche. Toujours Pouche. Qui décale pour Hertz. Arce toujours. Attention. Avec Hertz. Oh, quel arrêt superbe. Quel arrêt superbe de Sarah Boadji. Sur cette frappe de Hirt. Quel arrêt de Sarah Boadji. Attention à ce corner. On est à la 90e minute. Attention à ce corner dangereux. Et 4 minutes supplémentaires. Attention à ce corner. Oh, attention à cette mauvaise chance de Moroni. Attention, c'est pas fini. L'arrêt de Sarah Boadji. Et la 12e occasion qui passe au-dessus. Oh, il y a de qui a failli inscrire le troisième but américain. Et ce ballon qui va passer au-dessus de la transversale. Et donc Sarah Boadji qui va demander à ses joueurs de monter devant. Ouh là là, tout ça avec sa mauvaise passe de Guerrero. Avec X, elle est passée.
Toujours le ballon pour Yves. Elle a toujours une balle, ils ont poussé face à la voiture. La frappe est sur le but. Et le troisième but. Le troisième but américain. A priori, c'était le but de la victoire. Et Push qui permet aux États-Unis de mener 3 buts à 2 dans les dernières minutes de cette rencontre. C'est vraiment cruel pour l'équipe de France de prendre un troisième but dans les dernières minutes. Je l'avais dit tout à l'heure que les Bleus, ils ont trouvé à 3 reprises à la barre transversale. Et là, malheureusement, Pousse qui vient de casser l'espoir pour l'équipe de France féminine au Parc des Princes. 92e minute et donc Mallory Push qui prend l'avantage. 3 buts à 2 donc pour les Américaines. Et donc les Françaises qui vont tout faire pour essayer d'égaliser. Peut-être la dernière action avec Amel Majri. Elle trouve personne au centre. Toujours Amel Majri. Voilà le décalage avec Goma. C'est bien joué. Allez, tu as Katoto. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. La frappe de Katoto qui a été repoussée par la gardienne américaine. Et regardez les supporters qui sont en train de se lever. Attention à ce dernier corner. Attention à ce dernier corner important. Pour l'équipe de France, c'est peut-être la bonne égalisation. Amel Majri. Katoto. Que c'est bien joué, Katoto. Ça a été contré par la défense américaine. Et voilà, c'est fini. Malheureusement, l'équipe de France s'incline 3 buts à 2 contre les Américaines ici au Parc des Princes. Asseyé et le sommeur ont marqué pour l'équipe de France. Tandis que Megan Rapinoe, Oran et Pousse ont marqué pour les Américaines. C'est terrible pour l'équipe de France parce que elles ont trouvé à 3 reprises la barre transversale. Et malheureusement, les Françaises qui vont s'incliner sont par des Princes 3 buts à 2. On va regarder les statistiques. Alors, vous voyez les statistiques. 14 occasions pour l'équipe de France pour 9 tirs cadrés. 11 occasions pour les Américaines pour seulement 6 tirs cadrés. 46% de précision de possession pardon, pour les Françaises contre 56% pour les Américaines. 64% de précision de frappe pour les Françaises contre 54% pour les Américaines. 86% de précision de passe pour les Françaises contre 90% pour les Américaines. On va revoir les buts juste avant qu'on se quitte. Donc ça c'est le premier but inscrit par l'équipe de France sur ce superbe décalage de Grace Keyoro qui a trouvé Viviane Asseyi démarquée et donc qui a permis à l'équipe de France de mener un but à 0. Et puis avec cette faute d'Eve Périssé sur Megan Rapinoe qui avait pris en contre-attaque, et bien Megan Rapinoe qui va faire justice elle-même. Et donc Megan Rapinoe qui va prendre un contre-pied Sarah Boadji, un partout entre la France et les États-Unis avec ce penalty transformé par Megan Rapinoe. 1-1 entre les Françaises et les Américaines, puis 2-1 avec un deuxième but sur ce superbe décalage de Vivian Messi, Eugénie Le Sommer qui va faire le deuxième but français. 2-1 donc pour l'équipe de France, juste avant la mi-temps, super action collective de la part des Français. Et puis en deuxième mi-temps, coup de jonc, puis un contrôle et une demi-volée de la part d'Oran sous la barre transversale de Sarah Boadji qui va égaliser pour les Américaines, la numéro 9. 2-2 entre la France et les États-Unis, puis 3-2 avec ce dernier but qui sera pris par Push dans les dernières minutes de cette rencontre. Et donc ça sera sur cette image de ce troisième but américain que nous allons nous quitter. Les Françaises s'inclinent 3 buts à 2 ici au Parc des Princes contre les Américaines. On va se retrouver donc très bientôt pour de prochaines rencontres. C'était donc France-États-Unis ici au Parc des Princes. À bientôt pour de prochaines rencontres. Au revoir.